Verdansk était l'épicentre de la guerre froide. Avec ses tunnels, ses goulags, ses bunkers et ses armes de destruction massive. Voici Viktor Zakhaïev. Son père, un héros soviétique, n'a jamais eu la guerre mondiale qu'il voulait. Alors Viktor s'est trouvé un partenaire pour la lui offrir. Al-Assad avait un compte à régler avec les superpuissances. Il était libre, armé et dangereux. La coalition et l'allégeance ont signé un traité et envoyé leurs meilleurs hommes. Mais Zakhaïev a fait jouer ses relations pour semer la discorde. Il a eu ce qu'il voulait. On a fini par se trahir les uns les autres. Nos renseignements indiquent qu'il a encore de la réserve et qu'il compte bien s'en servir. La situation est explosive, et Zakhaïev a déjà allumé la mèche.